Saviez-vous que votre café peut contenir des molécules aux propriétés anticancéreuses ? Gaëlle, 25 ans. Une plante médicinale pays est même la championne pour leur production. Il s'agit du café marron, Coffea mauritiana pour les botanistes. Mais au risque de vous décevoir, ma thèse ne traite pas du cancer. Je travaille en recherche fondamentale dans le but de faire avancer les connaissances et la science. Si l'on connaît les propriétés de ces molécules pour l'homme, leur rôle pour les premiers intéressés, les caféiers eux-mêmes, est encore bien mystérieux. L'un des objectifs de ma thèse est donc de déterminer pourquoi et comment les caféiers synthétisent ces molécules. On saura alors enfin pourquoi le café marron est celui qui accumule le plus de ces fameux diterpènes. Les diterpènes qui occupent toutes mes pensées depuis déjà un an